Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Oléana Madiam. Alors aujourd'hui je vais faire le tirage sentimental pour le mois d'avril 2020 pour le signe des. Bon, ils sont un petit peu emmêlés, donc on va les détacher un petit peu. Ah bah il y en a qui est sorti. Allez, hop, comme ça je me complique pas la vie. Allez, des Verseaux. Allez, c'est à vous mes amis Verseaux pour ce tirage sentimental. En tous les cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien, mes amis Verseaux. Que ce confinement se passe bien. Allez, on y va. Donc, comme d'habitude, je tire 15 cartes, pardon. Et comme ça, on va regarder pour votre mois d'avril 2020 pour le sentimental. Allez, on va procéder à la coupe. C'est parti. Nous avons la carte du retard et nous avons la famille. Alors là, ça va nous parler pour certains et certaines Verseaux. On nous parle de famille. Donc, peut-être qu'il va y avoir un peu alors. Soit que c'est, vous allez avoir des nouvelles concernant la famille. Soit concernant, vous allez avoir des soucis concernant votre belle-famille ou votre famille. C'est soit du positif ou du négatif. Et quand vous avez deux cartes comme ça, enfin surtout la carte du retard, vous allez me dire c'est un peu vague, c'est vrai. Et moi, je vous conseille à chaque fois, ces petites astuces, il faut regarder derrière. Quand vous voyez que la coupe ne vous parle pas, vous voyez, c'est le retard, ça sera concernant le travail. Ensuite, vous regardez. Et on vous dit la réussite, d'accord? Donc, peut-être que justement, il va y avoir du retard. Peut-être que, alors, ça peut-être n'a rien à voir aussi avec le sentimental. Hein. Une coupe, c'est vaste, mais une coupe est très importante. Donc là, peut-être que justement, vous êtes, qui n'a rien à voir, hein, vous êtes en attente de la recherche d'un emploi pour certains et certaines. Et bah, votre famille s'inquiète un peu de vous. Ont peur que vous n'y arrivez pas. Regardez, en plus, on a le changement, hein, la réussite, hein, la roue de la fortune. Ça tourne pour vous, hein, mes amis Verseaux. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais là, ça me parlerait plus dans le domaine du travail. Donc ça, là, c'est plutôt génial. Hein. Donc là, vous allez avoir des nouvelles concernant du travail. Allez, on fait le tirage des 15 cartes pour vous, mes amis Verseaux. Donc comme d'habitude, s'il y a des cartes négatives, je les recouvre. Et si c'est du positif, je ne les recouvre pas. Allez, on va prendre celle-ci, on va prendre par là, on va prendre celle-ci et on va prendre par là. Allez, j'ai mes 15 cartes. Je vous les mets comme ça pour bien que vous les voyez quand même toutes. Et on va commencer par la première carte. Allez, on y va mes amis Verseaux, on commence par la première. Nous avons la carte de la clairvoyance. Donc la clairvoyance, c'est... Alors, il y a peut-être surtout les Verseaux, hein, vous êtes un signe, vous êtes très très là-haut. Vous ressentez énormément, vous êtes beaucoup intuitif, hein, vous ressentez beaucoup de choses, vous avez beaucoup de ressentis mes amis Verseaux. En tous les cas, là, ça nous parle bien la carte de la clairvoyance, ça nous parle de des choses, tout ce qui est lié, relié à la voyance, à la médiumnité. Donc peut-être que vous êtes médium, voyante, cartomancien ou cartomancienne, peu importe. Mais là, on voit que vous avez des capacités dans ce domaine-là. Ou éventuellement, vous voyez cette femme avec ses deux yeux, peut-être qu'on va vous faire découvrir quelque chose, vous allez apprendre quelque chose, on va vous dévoiler quelque chose. D'accord? La carte de la clairvoyance, c'est qu'on vous apprend des choses. Et regardez juste derrière, en plus on est en plein dedans pour ce tirage, c'est la carte de l'amour. Donc peut-être que justement, peut-être qu'on vous a prédit que vous allez rencontrer l'amour. En tous les cas, moi je vous le prédis. Vous voyez, hein, c'est vraiment à l'instant T. Mais en tous les cas, il y a vraiment une belle carte d'amour. Hein. Donc pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, honnêtement, vous allez apprendre un grand, grand amour. Honnêtement, là, c'est génial. Hein. Donc, soit que vous allez voir la personne qui va... Vous allez flasher sur cette personne-là. Mais en tous les cas, il y a un bel et bien un amour qui arrive pour vous. Par contre, là, on a cette carte de culpabilité. Cette carte de culpabilité va nous dire que, justement, peut-être que vous avez peur. Vous avez peut-être rencontré, il n'y a pas longtemps, quelqu'un. Et, alors, excusez-moi, je baille, c'est normal. C'est le don. Mais peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un et vous avez peur parce que vous avez peut-être été déçu, vous avez peut-être été trahi, donc vous avez peur qu'on vous reproche des choses, vous culpabilisez. Pour vous, c'est peut-être justement cet amour que vous venez de rencontrer, c'est tout beau pour vous, vous n'y croyez pas. Mais faites attention, vous voyez, quand vous allez rencontrer cette personne-là ou que vous venez rencontrer, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jalousie autour de vous. Attention! La carte de la jalousie, aussi dans ce tirage, ça peut être certes la jalousie des autres, que ce soit de votre famille, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un et
que ce soit vos amis ou votre famille, vos proches vous disent ils sont jaloux parce qu'ils ont peur de vous perdre. Mais ça peut, attention, dans ce tirage-là, ça peut être aussi vous qui êtes jalouse ou la personne que vous avez rencontrée qui est jaloux. D'accord? Jaloux ou jalouse. Ok? On va regarder. Là, attention, là, ça nous parle peut-être que justement, vous venez de rencontrer quelqu'un et peut-être que justement, votre ex va l'apprendre et lui va être jaloux ou jalouse. D'accord? Ça peut être ça aussi. Pour d'autres, ça peut être la carte du boomerang, ça peut être aussi quelqu'un qui revient dans votre vie. D'accord? Qui avait peut-être eu des soucis, vous avez peut-être vu des choses, peut-être que vous avez été trahi, on a cette carte de la clairvoyance, n'oubliez pas, vous avez eu beaucoup d'amour pour cette personne-là, mais la personne est partie ou vous avez mis un terme. Et peut-être, comme je vous le disais, on avait sorti la carte de la famille tout à l'heure, peut-être que votre famille vous culpabilise en vous disant, mais attention, ne reviens pas avec cette personne-là, homme ou femme, hein, peu importe, vous inversez messieurs ou vous mesdames. Et justement, on va vous montrer du doigt si vous retournez avec cette personne-là. Mais, je vous rappelle, il y a de l'amour. Hein. Alors, là, c'est un peu plus compliqué pour les autres. Et voyez, cette personne, ce retour de cette personne-là, c'est perçu comme un cadeau du ciel. D'accord? Et ce cadeau, c'est un homme. Et vous inversez pour vous, mesdames. Enfin, pour vous, messieurs, c'est une femme. Donc là, ce tirage nous parle vraiment. Hein. Vraiment, vraiment dans le domaine de l'amour. Pour vous, mes amis Verseau. Donc là, on a cette carte d'accusation. Donc comme je vous le disais, voyez, en plus, elle est au-dessus de la culpabilité et à côté de l'homme. Donc peut-être que c'est l'homme avec qui vous étiez, vous a accusé de choses, ou c'est vous qui vous avez accusé cette personne-là d'infidélité. Voilà, voyez, ça correspond. Ensuite, vous allez beaucoup discuter, que ce soit avec la personne que vous venez de rencontrer, ou peut-être que justement, votre famille, les gens qui sont autour de vous, qui vont justement vous dire, mais non, fais attention, on va essayer de vous raisonner, voyez. Mais regardez, c'est un nouveau départ, hein. La naissance, c'est aussi un nouveau départ avec cette nouvelle personne. Hein. Donc, enfin, nouvelle personne ou cette personne qui revient dans votre vie. Eh bien, excusez-moi, je baille. Mais c'est le don. Hop, vous voyez, ça ne dure pas longtemps. Là, nous avons cet éloignement. Vous voyez, on a cette carte de naissance. Alors, je reviens deux secondes sur la carte de la naissance. Vous pouvez aussi, justement, le retour de cette personne-là. Vous pouvez attendre un bébé, hein, aussi, mesdames Verseau ou hommes Verseau qui veulent avoir un bébé. C'est aussi, vous pouvez être enceinte, hein, mesdames Verseau. Hein. Peu importe si c'est un ex ou pas, si dans le couple tout va bien, si vous avez un projet de bébé, il y aura le bébé. C'était une petite parenthèse. Là, nous avons la carte de la distance. Nous avons l'éloignement. Peut-être que cette personne-là, comme je vous le disais, il y a eu des soucis dans le couple, soit la jalousie, soit l'infidélité, peu importe. Mais on voyait que cette personne-là avait pris ses distances. Distance par rapport aussi à la sexualité. Mais ça revient quand même, d'accord? Vous allez être froide, hein? Ou froid, messieurs. La personne revient, mais sur le plan sexuel, on va dire, sur l'intimité, on voit que vous allez... ça va être comme ça, hein. Ça va... ça va être difficile à vous reconquérir quand même. Mais il y a un éloignement de la sexualité est quand même là. Nous avons la carte de l'étranger. Ce retour peut-être d'une personne à l'étranger qui est d'origine étrangère. Peut-être que vous avez décidé aussi de vivre ensemble et la personne habite dans une autre région que vous. Il y aura une signature, il y aura un compromis. Peut-être, pourquoi pas, de travailler ensemble puisque nous avons la carte de l'argent juste derrière. Donc honnêtement, comme c'est un domaine sentimental, là franchement, il me parle très bien. Honnêtement, hein, pour celles et ceux qui sont célibataires, il va y avoir une rencontre, on va vous mettre quelqu'un sur votre chemin et vous allez sentir que c'est la bonne personne et il y aura de l'amour, d'accord? Sur le plan de l'intimité, on vous dit, mes amis célibataires, vous allez faire très attention parce que peut-être que dans le passé, vous avez été blessé, on vous a montré du doigt, on vous a peut-être abaissé hein, puisqu'on a la carte de l'accusation. Peut-être que la personne était jalouse ou peu importe, peut-être que la nouvelle personne sera jalouse ou vous, vous avez été jalouse ou vous êtes jalouse. Il y aura de la sexualité, mais ça va prendre son temps. En tous les cas, c'est quelqu'un qui vous aime. Hein. Vous voyez, on a l'amour, l'homme, la sexualité. Donc honnêtement, et c'est comme un cadeau du ciel, hein, cette nouvelle rencontre. Donc ça, c'est superbe. Pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, c'est pareil que pour les célibataires. Il y a de l'amour, on vous l'a mis sur votre chemin, vous le sentez qu'il est bon. Vous allez beaucoup discuter, vous allez peut-être parler de votre passé, que vous avez été trahi et tout. Mais la personne va vous mettre en confiance. On a qu'il y a de la discussion, on voit qu'il y a de l'amour. On voit que l'homme est là ou la femme est là. On a quand même de la sexualité, ça prendra son temps, vous êtes méfiant, mais il y a une belle naissance.
D'accord? Et pour celles et ceux qui sont en couple depuis un certain temps, peut-être que vous vous apercevez au fil du temps qu'il y a vraiment de l'amour dans votre couple, hein, il y a vraiment de l'amour. Et justement, ben, il y a eu un petit relâchement, il y a eu, vous voyez, il y a eu peut-être des quiproquos, peut-être des accusations. Alors, accusations, ça peut être du rabaissement. Il y a eu justement un éloignement de la sexualité. Donc, peut-être remettre les choses en ordre pour repartir sur de bonnes bases. C'est comme un cadeau du ciel, hein, cette renaissance avec votre mari. Hein, d'accord? Mais en tous les cas, c'est positif. Peut-être que par la suite, on vous offrira un voyage. Vous allez faire un voyage, en plus, en amour, un voyage amoureux. Donc, en tous les cas, peut-être que l'un et l'autre, dans le couple, il y avait de la jalousie. Donc, calmez aussi, tempérez votre jalousie, que ce soit vous, mesdames, ou que ce soit vous, messieurs, envers votre partenaire. Ensuite, nous avons, pour les couples qui veulent vraiment que ça soit fini, peut-être que vous avez découvert, avec vos ressentis, ou vous avez peut-être vu des choses, que votre mari a été infidèle, malgré que vous avez encore de l'amour pour lui. OK? Mais il va y avoir des discussions concernant ce compromis, cet accord, peut-être que justement de partir définitivement, de changer de région, on va vous apporter un autre homme ou une nouvelle femme, et il y aura vraiment, mais vous serez quand même froide, voyez, dans cette nouvelle rencontre, mesdames qui veulent se séparer de leur mari, il y aura une nouvelle rencontre, mais la sexualité prendra, ça sera en deuxième partie, voyez, vous allez prendre votre temps. Pour celles et ceux qui sont en triangulaire, on voit qu'il y a de l'amour dans votre couple. On voit que ben, vous ressentez bien la personne. Vous ressentez hein, les choses. On voit qu'il y aura des signatures. Pourquoi pas un mariage hein. Il y aura pourquoi pas une naissance pour celles qui veulent refaire leur vie. Et même si c'est en triangulaire, l'homme ou la femme est là. Il y a de la sexualité, mais il y a quand même de la distance. Peut-être pourquoi? Parce qu'avec ce confinement, vous ne vous voyez pas. Bien sûr, on a quand même cette carte de jalousie. C'est peut-être vous qui êtes jalouse de la situation parce que votre partenaire est avec sa femme ou vice-versa. Vous, messieurs, vous êtes jaloux ou voilà. D'accord? Ou la personne est jalouse aussi, vous êtes aussi avec votre mari. Mais en tous les cas, il y a bien quelque chose de positif. Hein, il y a de l'amour. Hein. Ensuite, pour celles et ceux, ben, comme j'en parlais tout à l'heure, s'ils veulent le retour de leur ex, il y a bien le retour de cette personne-là. C'est attendu comme un cadeau du ciel. Hein, voyez ce boomerang-là, le passé revient. Vous le prenez en pleine figure, comme on dit. Il y a de l'amour pour cette personne-là. Il y a de l'amour pour vous deux. Il y aura quand même de la distance sexuellement. Mais en tous les cas, c'est pris comme un cadeau du ciel. Donc, ne vous en privez pas. Mes amis Verseau, voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous. Surtout, restez bien chez vous. Hein, pour celles et ceux qui ne travaillent pas ou qui sont en télétravail, n'abusez pas trop de dehors. Hein, je sais, malgré ce travail-là, voyez, on a la carte d'amitié pour mes amis Verseau. Peut-être des nouvelles d'amis en dos de deck. Vous allez peut-être à recevoir des nouvelles. Hein, des nouvelles de vos amis ou une amie, quelqu'un de proche. Donc voilà mes amis Verseau, surtout prenez bien soin de vous, restez bien chez vous. Un gros bisou à mes amis Verseau pour celles et ceux qui travaillent. Hein. Merci d'être là, merci pour nous. Et ben moi sinon je vous dis au mois de mai maintenant. Hein. D'accord? Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao. Au mois prochain. Ciao les Verseau.